today I'm with Wario. Hi, Wario. Hello. Is this your new car? I've had it for a while. It was in the shop for a bit. Do you think it's going to be fast enough to beat Mario this time? It's always fast enough to beat Mario. What are you talking about? What are the strengths of this new car? The what? The strength. Ah, the strengths. Mostly speed. Who needs acceleration, eh? Yeah, it's not useful. And is that a new turtle? Oh, it's a red shell. I have no use for blue shells because, you know, I'm always in first. Yeah, that's a good one. Well, good luck for the race. Ah, thank you, but I don't need it. On a dégoté un petit scoop pour vous, donc la sortie d'un jeu vidéo qui va vraiment en plaire à tous ceux qui aiment les jeux de société comme Patchwork, Cottage Garden ou Baron Park. Donc on va avoir des espèces de formes qu'on va devoir combiner ensemble là, pour faire des points, tout ça. Donc un jeu vidéo qui s'en vient très bientôt. Donc le jeu Tetris, ici, qu'on a en exclusivité à Gen Con, qu'on peut essayer, qu'on peut jouer. On peut jouer à deux même, un contre l'autre. Donc plusieurs modes de jeu vraiment cool. Il va être disponible sur pas mal toutes les plateformes que vous connaissez, Nintendo, Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, Wii U, Steam, cellulaire, iOS, Android, calculatrice. Bref, c'est un jeu qui va être partout dans pas long, donc Tetris. Hi, I'm from Gen Con and I'm with Harley Quinn. Hi, Harley. Hi. So now you're done with being a villain. You're not working as a baker, or is it? I am trying to take money though from everyone, so I'm still kind of a villain. Yeah, but are you giving something else in return? No. No, I just want to make sure everyone likes the cupcakes. Yeah. And what's your favorite cupcake kind? It's definitely the chocolate salted caramel one, for sure. Yeah. Are you and the Joker still together? Yes. Of course. He's my pudding. And how many children? No children. None so far? No okay. Children, no. All right. Au Gen Con, c'est aussi l'occasion d'aller essayer des jeux de rôle. Donc, on peut s'inscrire dans des ateliers de jeux de rôle, que ce soit essayer faire une partie de Donjon Dragon, une partie de Shadowrun, une partie de Pathfinder. Donc, on n'est pas obligé de connaître des gens, on n'est pas obligé de connaître le système. Il va nous être expliqué lors de l'atelier. Donc, aujourd'hui, Patrice a eu la chance de participer à un atelier de Shadowrun lancé par la compagnie Catalyst Game Lab. Comment tu as trouvé ton expérience? J'ai adoré ça. J'ai pas souvent fait des one-shots dans des conventions. Quand je dis, c'est Shadowrun Anarchy. C'est leur système de Shadowrun beaucoup simplifié. Fait qu'en dedans de 2 heures, le storyteller qui était vraiment, vraiment fantastique, il nous a expliqué le jeu, nos fiches, puis il avait vraiment une bonne manière de l'expliquer, puis on a joué. Il a streamlined ça un peu pour qu'on rentre dans 2 heures, mais vraiment, là, la qualité du gars pour jouer, là, il nous donnait des bons hints, il était là pour nous aider, il avait une approche de DM très intéressante. Moi-même qui DM depuis des années, ça m'a donné comme des cues. Puis le système de Shadowrun Anarchy que j'avais déjà, mais que j'avais pas eu l'opportunité d'essayer. Moi, ça a fait comme wow, le fun de Shadowrun, moins de règles, on streamline plus, plus d'action. Fait que ouais, j'ai bien aimé ça. 2 heures, c'était court, mais en même temps, j'ai eu le temps d'essayer le système, puis faire comme ok, j'aime ou j'aime pas. Puis le storyteller, comme j'ai dit, était écœurant. Fait que ouais, c'est vraiment bien fait, bien organisé. C'est quoi le feeling d'arriver puis de s'enrichir dans une partie où c'est juste des inconnus? Donc, comment était le contact avec les autres joueurs? J'ai l'impression que j'ai été chanceux dans le sens que des fois, je sens que tu peux tomber dans des games où que ça peut peut-être pas cliquer, mais là, j'avais 5 autres bons joueurs autour de la table. Le gars qui a pris le personnage charismatique, il a pris le lead.
Les autres personnes, il y en a qui étaient un peu plus en arrière, mais qui écoutaient pour connaître le système. Mais il y avait déjà une bonne petite chimie, mais le secondaire, je pense que le secret, c'est le storyteller. Le storyteller, Rich Williamson, il était vraiment bon parce qu'il créait la dynamique, il nous donnait des hints. Ah, tu ne devrais pas faire ça. Mais non, on a eu une bonne synergie en équipe, justement. Comme disais habituellement, tu joues avec des gens que tu connais. Mais là, je connaissais pas le monde, puis pourtant, ça a été le fun. On s'est échangé des trucs, puis j'étais comme, je disais à la rigueur, comme, tu devrais peut-être envoyer un drone en avant. Fait qu'elle le faisait, fait que c'était vraiment. Ça a été pour une belle petite expérience, puisque ça m'a permis d'essayer un nouveau jeu de rôle rapidement, puis de le comprendre. Fait que, ouais, j'ai bien, bien aimé ça. Fait que c'est vraiment l'occasion d'aller essayer des nouveaux jeux de rôle. Il y a des séances de 2 heures, des fois, il y a des séances de 4 heures. Donc, dépendamment du temps que vous voulez investir là-dedans aussi, il y en a pour tous les styles. Donc, des choses très intéressantes à faire au Gen Con. Puis aussi, je pense que c'est peut-être, je me rends compte que c'est une opportunité des fois pour des gens qui n'ont pas la chance comme moi d'avoir un groupe de jeux de rôle proche. Puis pour eux, essayer un nouveau jeu de rôle, c'est quelque chose qui peut être vraiment compliqué. Fait que ça, c'est vraiment une opportunité d'essayer un nouveau jeu de rôle avec un DM qui connaît ça. Fait que c'est vraiment une belle opportunité qui vaut la peine de se déplacer, je pense. Génial. Yes, I like playing Dungeons and Dragons with you. Yes, I do. Yes, I like playing Dungeons and Dragons. But I wanna get you out of this fantasy world and into my fantasy, where you could be my boyfriend and we could go out to Gen Con. Et voilà, c'est ce qui conclut notre aventure au Gen Con. Donc, c'était notre dernière capsule sur notre expérience à cette superbe convention. Et on va faire une petite conclusion, peut-être, là, pour résumer, en fait, ce qu'on a aimé le plus à la convention. Marie? Qu'est-ce que j'ai aimé le plus? De un, l'organisation était absolument merveilleuse. Ça paraissait pas qu'il y avait autant de gens. On s'est pas pilé sur les pieds. Tout le monde était hyper poli. J'ai vu personne qui était pas content. Là, c'était vraiment une merveilleuse convention. Sinon, c'est sûr que j'ai un coup de cœur aussi pour tout ce qui avait rapport avec Critical Role, dans le fond, qui est une série c'est des acteurs qui jouent à Donjons & Dragons ensemble, donc j'ai eu la chance de voir leur conférence. Ça, c'est très cool pour moi, dans le fond. Pat? Moi, le gros point positif, c'est la semi-infinité de possibilités d'essayer tout ce que tu as entendu parler ou que tu savais même pas qu'il existait. On a vu là-bas un jeu de miniature de Cthulhu. Warhammer meet Cthulhu. Tu sais, je veux dire, je n'ai jamais trouvé personne qui va vouloir jouer avec moi. Mais je sais que ça existe et j'ai l'opportunité de l'essayer. Fait que les découvertes qu'on peut faire, jeux de rôle, board game, qui sont des fois trop petits pour que tu puisses avoir ça dans ta petite boutique, ça, c'est vraiment rafraîchissant et inspirant. Puis toi, t'as fait beaucoup de conventions aussi dans ta vie. Là. Comparativement aux autres conventions, Gen Con, tu classerais où? Ah, ben moi personnellement, j'étais rendu un peu à un point. J'ai essayé des conventions de bande dessinée, de plein de sujets. Puis je te dirais que j'étais rendu au point où que pour moi, les conventions, c'était semi-toutes pareilles. J'étais rendu à un moment donné que c'était ah, l'Expo Hall, ben, je vais aller acheter les cochonneries. Puis ah, les mêmes cochonneries que j'ai vues l'année passée à telle autre place. Ah, je vais aller revoir tel auteur de bande dessinée que j'ai vu dans 3 autres conventions en arrière. Fait que il y a une notion répétitive. Mais Gen Con, ça m'a redonné le goût de refaire de la convention. Moi, Gen Con, c'est une convention, ça, là, c'est la seule que je pourrais faire à chaque année. Y retourner tout le temps parce que on va jouer des nouveaux jeux, on va rencontrer du nouveau monde. Pour moi, c'est un coup de cœur. Ouais, puis je pense que c'est une belle convention avec la variété d'activités qu'il y a, en a vraiment pour tous les goûts, que ce soit un amateur de cartes Magic, de jeux de rôle, de board game, de donjons dragons, peu importe ce que tu vas aimer dans ce domaine-là, c'est sûr qu'il va y avoir des ateliers, des affaires à Gen Con, puis beaucoup de nouvelles sorties aussi qui sont annoncées là, donc vraiment bien. Pour moi, j'ai vraiment aimé mon expérience média, donc c'est la première fois que j'essayais ça, de couvrir un événement, d'aller faire des entrevues avec des compagnies, des éditeurs de jeux, certains concepteurs de jeux aussi. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment facile d'approche à Gen Con, donc les gens, on leur écrit, on prend rendez-vous, ou des fois on va tout simplement les voir à leur kiosque, on se présente, on jase avec eux autres. On prend rendez-vous pour revenir plus tard, puis là, ils nous font faire le tour de leurs nouveautés, donc ils prennent le temps de venir nous voir, de nous parler, ils sont contents de nous voir. Il y en a même qui nous ont encouragés, qui nous ont donné quelques jeux, donc ça, c'est vraiment cool aussi. Fait que vraiment, la facilité d'approche du domaine là, des jeux de société, je trouvais ça vraiment le fun, et ça m'a aussi donné le goût d'y retourner l'année prochaine. C'est sûr, c'est vraiment une belle industrie. Quand est-ce qu'on planifie ça, le voyage, là? Ah, ben bientôt, là! C'est au mois d'août l'année prochaine? Non, on a le temps encore.
Puis avec cette grande aventure-là, on a une nouvelle à vous annoncer. En fait, Patrice et Marie-Pierre ont une nouvelle à vous annoncer. Donc, inspiré par David et sa chaîne, on a envie d'explorer un peu l'aspect joueur à deux. C'est pas nécessairement un aspect qui est extrêmement commun. Et aussi d'y aller d'un point de vue, on va dire, homme-femme, justement, là-dedans. Peut-être gamer plus... petit meeple GMT avec plein de tokens qui valent rien dire. Puis quelqu'un qui peut être plus intéressé par des jeux... Qui sont peut-être un peu plus visuels, un petit peu plus immersifs, quelque chose d'un peu plus coloré, mettons. on va explorer un peu nos opinions différentes. Aussi, un peu voir jouer à deux, parce que, par exemple, quand on habite ensemble, en couple, on a tout le temps un deuxième joueur qui serait disponible à jouer avec nous. Donc, ça serait le fun d'avoir une liste de jeux qui seraient parfaits pour ça. C'est d'initier peut-être l'autre partie qui est moins gamer, donc des gateway games jusqu'à Twilight Struggle. Puis des jeux à deux, ça devient de plus en plus populaire. T'sais, autant que les jeux solo deviennent populaires, les jeux à deux sont aussi très populaires. On a beaucoup, beaucoup de jeux qui sortent qui sont spécifiquement pour deux joueurs, qui sont construits pour ça. Puis évidemment, en tant que couple, c'est des choses qui peuvent être très intéressantes à jouer. Alors, vous allez nous présenter des jeux à deux. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire avec quel jeu vous allez commencer? On va commencer avec Seven Wonders Duel, qui je crois est l'étalon sur lequel on va juger tous les autres jeux à deux. Parce que c'est clairement celui qu'on a joué le plus souvent. Ouais, c'est clairement un des jeux à deux les plus populaires aussi des dernières années. Donc je pense qu'il est vraiment haut aussi dans le top de Board Game Geek. Donc très bon choix. Donc Seven Wonders Duel, vous allez nous présenter ça très bientôt. Si vous avez des suggestions aussi de jeux à jeu à deux que vous voudriez qu'on essaie, vous avez juste à laisser des commentaires, on va regarder ça. Et voilà, donc surveillez ça dans les prochaines semaines. Nous, on va vous dire bye, à la prochaine. Si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec notre petit bonhomme ici dans le coin quelque part. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram, Twitter à Professeur Board Game. Venez nous visiter sur passionboardgames.com pour des nouvelles sur les jeux de société. Et on vous souhaite une excellente fin de journée et... Continue de gamer.